Couloulou. Voilà, tu mens, frère. J'apprécie à moitié. Gna. T'es pas du tout au courant qu'ils sont trois dans Migos. Tu vois, mamacita. Armand. Ouais, c'est Tyler. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le ASR, analyse des sorties rap, comme tous les vendredis. Aujourd'hui, on a sorti la tablette. Voilà, ça y est, fini les petits carnets, tout ça. C'est du sérieux maintenant, c'est du sérieux. Donc voilà, bon 1er mai à tous, voilà, faites du travail, faites du slip, j'ai envie de dire, parce qu'on peut rester en slip à la maison tranquillement aujourd'hui. Puis voilà, du coup, on commence directement avec les news. Quoi de neuf aujourd'hui ? Dis-nous tout. Alors, on a ODD PNL qui a été officiellement annoncé comme étant le titre le plus streamé depuis le début de la création de Spotify France avec plus de 68 millions de streams. Une dinguerie. On a Sadek qui, une fois de plus, n'arrête pas de faire parler de lui. Il nous a envoyé, encore une fois, une nouvelle signature sur son label. Et ouais, ça y est, déjà deux signatures. On avait Max Paro, maintenant on a Too Cheese Milkshake. Voilà, gros rappeur en Too Cheese Milkshake. Ça fait longtemps que j'écoute ce qu'il fait. Il fait partie du crew Patapouf Gang, la boulangerie française, DJ Widjim, tout ça. Donc voilà, franchement, grosse signature là. Au bord des bords de main, au bord des larmes, je roule un boss. Les larmes, les armes, la harne, il perdra. Je fume un boss. Je suis sur mon âne, je te vanne, prends pas mal. J'éteins mon boss. Les caisses, on en avale, le roi m'attache. T'es mort et le soleil, je prends plus le sommeil. La nuit, je me couche, je te cherche jusqu'au réveil. Et puis on a Vald qui nous a balancé un magnifique extrait. Donc voilà, j'espère qu'il arrive très bientôt avec du lourd. Le show doit continuer, tu connais la tâche. Casse pas les couilles, je vois déjà la scène. Le show doit continuer, tu connais la tâche. On compte pas sur toi, on serait pas dans la même. Je suis dans une dimension, t'es pas dans la même. La vie est une vie, t'es pas dans la même. Je crois que le monde était pas dans la fête. Je fais pas confiance, t'es pas dans la fête. Quand tout le monde est déjà chaud, t'es pas dans la fête. La bande d'après, c'est celui-là dans la fête. C'est maintenant ou jamais, j'ai pas dans la fête. Faut que je boule avant la balle dans la tête. Faut que je boule avant la balle dans la tête. Et puis, on passe aux sorties singles. Les sons, les clips et toute la smala. Alors, on a le rappeur Diez qui nous avait envoyé un très très gros album. C'était quand? C'était au mois de octobre, novembre, je ne sais plus exactement. C'était par là. Très très gros album, très gros artiste, hyper polyvalent et tout. Là, il est revenu avec un nouveau son qui s'appelle Initial. Ferme-la, négro, tu m'inquiètes. Je te trouve pas pertinent, mais aucune de tes histoires ne m'attire. Je veux pas que tes histoires ne m'atteignent. J'ai pas vu le temps passer, bébé, quand je m'isole. J'espère qu'un éclaircissement se fera de ma tête, c'est trop. Je vais finir autre part. Je vais tout niquer. Ça, je le dis d'une autre voix. Parle-moi, dis-moi quelque chose que je n'ignore pas. On a Sniper qui nous a envoyé le clip du son Fuck qu'ils avaient envoyé il y a quelques temps là. Voilà, gros clip en mode vacances à Keto Tunisiano, à la plage, voilà, dans l'avion, en Thaïlande, voilà. Donc ça fait bon un petit peu quand même cliché de la Thaïlande, des gars de banlieue qui vont en Thaïlande pour la première fois, qui font du tir, tout ça. Mais bon, voilà, en ce moment de confinement, franchement, je me plains pas. Ça m'a fait voyager un petit peu, ça m'a rappelé des beaux souvenirs et c'est le principal. Dis-leur qu'on les fuck, dis-leur qu'on les fuck, dis-leur qu'on les fuck. L'amour m'a rendu là, vu là, elle m'a rendu aveugle. J'ai plus aucune actu, mais tout le monde se rappelle de ma gueule. On a Ayam aussi qui nous a envoyé un nouveau clip, donc c'est un clip extrait de leur dernier album. Voilà, après je suis pas très fan du clip, clip en noir et blanc et tout, toujours un petit peu pareil avec des acteurs et tout. Mais le message du son est très bon, je vous laisserai aller écouter tout ça. Alors gros son aussi, gros son d'un rappeur qui s'appelle Brazito, gros son, gros clip. Le son il s'appelle Visionnaire et franchement ça tue, ça glisse dans les oreilles, ça fait extrêmement plaisir. Parce que j'y crois, me crois complètement fou. Parce que j'y crois, me crois complètement fou. Plus tard ils diront que j'étais visionnaire. Plus tard ils diront que j'étais visionnaire. Impossible de se perdre de l'endroit où je me trouve. Impossible de se perdre de l'endroit où je me trouve. Je continue à perdre et je les emmerde. Et puis vous connaissez la tradition, on passe aux sorties album. Musique de qualité, musicalité musicale. Alors bien entendu, on commence avec les EP, on a Kali.exe qui a enfin sorti son projet Animal Social. Donc là, on a combien? On a 8 sons.
Franchement, gros projet, moi je kiffe hein, Kali, voilà. Kali, c'est la mif maintenant, tu vois, on s'est vu plein de fois et tout. C'est un des premiers qui m'a contacté sur les réseaux, qui m'a fait partager des trucs et tout. Donc voilà, grosse, grosse force à lui. Là, le projet, il me l'avait envoyé depuis un moment déjà. Donc j'ai eu le temps largement de le saigner un paquet de fois. Donc, 8 sons, featuring, on a Jarod. Non, Jarod, il est tout seul. Jarod. On a Chat Noir. Et on a Athanase. Voilà, gros big up pour les sons Wagwan. Franchement, celui-là, je le kiffe trop en featuring avec Chat Noir. Et le son N, bien entendu, premier son du projet en featuring avec Jarod, avec le clip qui va arriver bientôt, tout ça, tout ça. Donc ça, ça fait extrêmement plaisir. Trop de choses, là, ça tue. Et d'ailleurs, Kali, qui a aussi un compte Instagram qui s'appelle Bunkaland, avec un podcast et tout aussi qui va avec, il parle de ce qu'il aime, de jeux vidéo, de trucs, de machin. Il a déjà fait un podcast avec Jarod d'ailleurs. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous cliquez, vous cherchez, vous trouvez. J'arrondis les angles quand je parle de mes excès. Mes limites s'évaporent avec la fumée. Laisse-moi tirer une barre, puis une deuxième. Si je m'éteins, je le ferai comme ma maître. Car les likes ne remplissent pas le frigo. Alors on a eu du lourd de tous les côtés aussi. On a Sopico qui nous a envoyé son projet épisode 0 avec 6 sons. Ça fait un moment qu'il avait rien envoyé, Sopico. Et franchement, lui, j'adore vraiment son univers et tout, je kiffe trop. D'ailleurs, Sopico qui sera retrouvé très bientôt dans une série Netflix. Donc, voilà, c'est pas n'importe quoi. Avec, comment il s'appelle lui déjà, Tahar-Raïm. Tahar-Raïm, grosse référence maintenant. Leila Bekti, la série, elle s'appelle The Eddy. Et là, revenons sur le projet, très bon projet. Gros big up pour le son sans titre. J'ai jamais eu les pieds sur terre. Ma jeunesse était super, même si parfois j'étais déçu d'elle. On n'a rien à part la tête et le cœur. Je suis dans la boue en train de maqueter le skeu. Dans ta concurrent qui va péter le seum. Je suis bloqué dans mes gâchis. J'essaie d'écrire un morceau de mes racines. Faut pas me déranger, je t'ai déjà dit. Ton énergie de fils de pute est négative. On a Absolem aussi qui nous a envoyé son projet Tox City avec 7 sons. Featuring, on a Slimka dont j'ai parlé la semaine dernière. Pour ceux qui suivent, qui avait sorti un projet. On a Jean Jass. On a Sly et on a Venlo. Du lourd, franchement, grosse tuerie là aussi. Gros big up pour les sons Time et Scorpion. Toi, on les contrats, toutes ces pitchas dans le plomb, mon ami. Va falloir te lever de bon matin si t'espérais m'atteindre. Tocard, tocard, boss. Hein, mon équipe est tocard, je suis comme Roberto Carlos. Hey, t'es prêt à tout mettre dans du Fendi. En plus, tu crois que ça fait Gia. Nique avoir le style à Kenji. Je suis au top dans mon calendrier. Après, on a Demi-P, Demi-Portion qui nous a fait plaisir, qui nous a sorti encore un petit projet là, un petit EP. Ça s'appelle 1990, on a 900, on a un featuring et c'est avec Mokless, donc pas n'importe quel featuring. C'est du old school, hein, c'est comme on dit chez nous, c'est de la boom bap, voilà, on appelle ça comme ça. Voilà, très bon projet, franchement, moi, bon, dès que j'entends de toute façon demi-p, demi-portion, ça me donne envie de manger des tiels, d'être à 7, posé dans un petit bar, boire un pastis, tu vois. Donc voilà, franchement, gros big up du coup pour les sons, ne lâche pas. Très très lourd. Le son J'ai vu et le son phénoménal dont je vous mets un petit extrait tout de suite, voilà. Donc j'ai enchaîné les scènes sans l'argent de la SACEM. J'ai enchaîné les freestyles, tu peux demander à Kassem. On passe du rire aux larmes, on écoute à ces décès mélangés par MC Solar. Ni trop trap, ni boom bap, respect à ceux qui militent. C'est mon ordre. Moi j'ai ma funky family, crions nous sommes des millions proches de la scène, c'est Milia. On a la tête dans les nuages au sommet de l'Himalaya. Crions nous sommes des millions. Et on a aussi le rappeur belge Giko, je sais jamais comment ça se prononce, G avec 3 E, K-O, qui nous a envoyé son projet réel avec 16 sons, un featuring, c'est Tzu The Kid, et gros big up pour les sons Lean, très très lourd, et le son Money Talk. Je suis dans des mauvais bois, sous Hennessy, j'ai plus le choix de mon sort. Le fucking squad se réveille quand tout le monde dort. Je ramène ta femme au vif, fais plus d'efforts. Sex, drugs, money talk. Et puis on termine avec la grosse sortie du jour. Là, c'est partout, là, tout le monde en parle, ça n'arrête pas. C'est Drake, bien entendu. Donc pensez, pendant que j'y suis, au petit pouce bleu, à commenter, à faire un petit truc sympa, à partager ce que vous voulez. Pensez aussi que vous pouvez me retrouver sur Instagram, Tyler.lemedia. Et donc, Drake qui nous a envoyé son projet Dark Lane Demo Tapes
14 sons featuring JVON, je sais pas comment on dit, Chris Brown, Future, Young Thug, Sosa Geek et Playboi Carti. Voilà, franchement, ça fait plaisir. Tu te réveilles, là, il y a un projet de Drake qui est sorti, tu sais que tu vas être bien. Donc, apparemment, c'était peut-être pas forcément prévu. Mais comme il avait sorti déjà le son War, le son Toosie Slide qui cartonne, voilà, qu'on n'arrête pas aussi de voir partout. Donc, plus quelques fuites qu'il y avait eu par-ci par-là, il y a des sons qui avaient fuité et tout. Du coup, à mon avis, il a dû se dire, bon, ben, faut que je package tout ça et que j'envoie ça là, parce que ça va pas là, ça va pas, trop de fuites. Et en plus de ça, il nous a aussi annoncé un projet pour cet été, un vrai album. Donc franchement, voilà, quel régal, j'ai envie de dire. Il va pas nous lâcher des oreilles là, on va l'avoir dans la tête tout l'été, Drake, ça c'est sûr. Donc, revenons au projet du coup. Moi, gros big up pour le son From Florida With Love, franchement très très lourd. Voilà, je suppose que vous êtes certainement nombreux à l'avoir déjà écouté ou pas. Si c'est pas le cas, allez-y de ce pas. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt pour la suite. Ciao. Putain, il fait moche. Ça me dégoûte.